président du CNRD, chers collègues politiques, ainsi est la marche de l'histoire. Il y a quelques mois de cela, nous ne pensions pas nous retrouver ici pour discuter dans un contexte nouveau. J'ai été interpellé par le premier élément des cinq valeurs du CNRD qui mentionne une rectification institutionnelle. Ça voudrait dire que nous nous étions égarés et que votre responsabilité, c'est de nous remettre sur le bon chemin. Aucun homme, aucun régime ne peut avoir la prétention de tout régler. Mais ce qui vous revient à faire, à mon avis, c'est de redresser la Guinée et de remettre la Guinée sur orbite et faire en sorte que ce soit les Guinéens qui choisissent ceux qui vont les gouverner. Aussi longtemps qu'on va manipuler les élections, on aura des personnes qui ne se sentiront pas redevables vis-à-vis des populations. Ce sont plutôt des personnes qui seront redevables auprès des lobbies et des réseaux qui les ont portés au pouvoir. Ce régime que vous venez de faire tomber en est une illustration. Nous avons des enseignements de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les livres à Harvard, à la Sorbonne, ailleurs. Si notre passé ne nous enseigne pas, nous risquons encore de dévier. Et ce peuple à qui vous parlez aujourd'hui, il est debout. Il vous attend. Faites attention aux langues mielleuses. Faites attention à ceux qui vous chantent des louanges. Ce ne sont pas vos amis. Le président déchu, aujourd'hui, là où il est, je pense qu'il est à mesure de savoir qui était son ami et qui ne l'était pas. Nous avons été combattus. Notre pays nous appartient à tous. Vous, de l'armée. Nous, de la vie civile. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour le bâtir. Nous avons assez qu'on nous dise ailleurs que les Guinéens constituent la plus grande horde de réfugiés politiques. Ça ne nous honore pas. Notre pays a assez de ressources pour que ses enfants ne meurent pas dans le désert, qu'ils ne meurent pas dans la Méditerranée. Ce n'est pas du tout notre fierté. Nous avons subi, mais nous sommes restés. Pourquoi ? Parce que nous sommes attachés à ce pays-là. C'est ce héritage que nous devons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Encore une fois, il y a quelque chose qui m'a marqué, le 5. Si l'armée avait fait irruption sur la scène politique entre 2010-2020, on aurait pensé que l'armée a interrompu un processus démocratique.